en Haïti, les relations avec Special Olympique ont débuté en 2007 avec le lancement de la Fondation et nous sommes aujourd'hui très heureux de voir que notre soutien permet d'encadrer ces athlètes si déterminés et si talentueux. À la Fondation Digicel, nous pensons que nul ne devrait être laissé pour compte ou exclu. Nous sommes fiers des réalisations de ces jeunes hommes et de ces jeunes femmes qui, tous les jours, ne cessent de briller. Et nous voulons, aujourd'hui, leur renouveler publiquement nos félicitations aux 11 médaillés qui ont rehaussé notre drapeau aux Jeux mondiaux de Special Olympique à Los Angeles en 2015 avec la participation de plus de 6500 athlètes représentant 165 pays. Une fois de plus, la Fondation Digicel réitère son engagement envers Special Olympique et c'est dans cette optique qu'elle a réalisé cette journée d'échange et de détente. Nous profitons de l'occasion pour remettre à l'organisation un chèque de 50 000 $ américains, représentant notre contribution annuelle. C'est un privilège pour nous d'être l'un de vos supporters et nous sommes très satisfaits de la collaboration franche qui existe entre les deux organisations. Cette année marque 10 ans depuis que la Fondation Digicel apporte son soutien aux différentes communautés à travers le pays par le biais de ses 4 axes principaux. Construction d'écoles, développement professionnel, subvention et bien sûr le volontariat. Aujourd'hui, nous voulons remercier de tout notre cœur tous les volontaires qui ont fait le déplacement afin de rendre cette journée possible. Spécialement les employés de la Digicel qui n'hésitent jamais à prendre part à toutes les activités que la Fondation Digicel organise. Nous remercions également les membres de Special Olympique et les dirigeants du centre sportif pour l'espoir, pour leur contribution au succès de cette belle journée. Nos voeux de succès vous accompagnent. Je veux dire, c'est une activité que nous fait avec Fondation Digicel. D'abord, c'est Fondation Digicel qui a célébré 10e anniversaire ici en Haïti. Et un aspect de la célébration 10e anniversaire, c'est pour montrer tout partenaire, toute organisation, tout peuple haïtien, comment on est toujours été et fidèle avec les Haïtiens, dans bâti un plus bon pays et puis dans activité qui a lancée dans Combat pour Changement. Donc, et Special Olympics profite et remercie Fondation Digicel pour support que les Bali depuis 5 ans ça et ensuite, je dis à nous te vle, promouvoir en partie de Special Olympics qui c'est c'est pour avancer en société plus inclusif côté en pile ti moun en pile moun en Haïti qui vivent avec une déficience intellectuelle et Special Olympics travaille pour bay moun sa yo une expérience pour yo capable et développer des talents, des compétences dans le sport. Et puis en même temps, pour nous montrer que c'est des mounioyés et pour nous permettre de sentir qu'ils ont une dignité dans la vie. Donc, et nous devons, je dis, côté nous créer une activité unifiée entre staff Digicel, entre athlètes Special Olympics, et pour nous capables de créer une société qui est plus inclusive. Alors, chaque ça que nous recevons aujourd'hui, et qui ça nous capable de faire avec nous? Et chaque ça a permis Special Olympics faire des pratiques sportives avec Timounio, continuer avec un plaidoyer avec une sensibilisation sur
défis qui existaient en Haïti, avec discrimination qui existe en Haïti, pour nous capables de retirer stigmatisation, excusez, sorry, avec l'autre la PRS qui existait en Haïti, un manque de connaissances au niveau des déficiences intellectuelles qui existaient dans le monde. En même temps, nous à permettre coach avec volonté capable de joindre des formations pour être capable by plus support à Timounio, à Atletio, et pour nous capables préparer athlètes pour être capables d'assister et participer dans les Jeux mondiaux qui existent chaque 4 ans et puis les prochains Jeux mondiaux qui a fait en 2019. Nous voulons, je dis, côté nous créer une activité unifiée entre staff Digicel, entre athlètes Special Olympics et pour nous capables créer une société qui est plus inclusive. Chaque année, nous toujours bayons contribution. Je dis, ces contributions que nous bayons, nous bayons chèque 50 000 $ par l'organisation Special Olympics là, mais nous voulons en même temps font activité avec eux parce qu'on connaissait des athlètes choyés et nous-mêmes nous venons avec employés Digicel pour nous faire des matchs, nous faire football, nous faire volleyball, nous faire athlétisme, nous faire tennis de table et nous mélanger équipe et nous jouer des matchs unifiés et son gens pour eux-mêmes nous détendre et son gens tout pour nous-mêmes équipe Digicel là nous détendre tout ça supposant les supposer aller pour encadrer l'activité parce qu'on est athlète, il faut qu'on répète, il faut qu'on fasse des exercices régulièrement. Et puis tout, il faut que coach avec volonté, tout joue une formation pour continuer parce qu'on est chaque 4 ans, il va aller dans les Jeux mondiaux. On connaît que en 2015, nous avons supporté l'équipe pour voyager à Los Angeles. Et puis, notre but, c'est que nous préparer pour le prochain événement. Oui, nous avons plusieurs organisations que nous contribuons à eux. Nous avons des petits frères et sœurs qui également sont orphelins, qui ont des petits handicapés que nous supportons tous. Et puis, nous avons FLAD, qui est la Fondation Athlétique d'Haïti, qui a un centre de football dans la Cité Soleil, que nous supportons. Nous avons plusieurs organisations. Et nous connaissons tout que pour le 10e anniversaire, nous avons lancé Combit pour changement. Alors ça, c'est une campagne côté 10 organisations à travers le pays, 10 000 $ pour effectuer un projet. Alors, le concours est en place et mon organisation gagne jusqu'au 16 juin pour remplir l'application pour que vous participer dans la campagne. Bon, j'aimerais remercier toutes les populations haïtiennes qui supportent Digicel. Parce que le supporter Digicel indirectement son support pour fondation.